Pour la deuxième fois en seulement quelques jours, l'ASVEL s'apprête à affronter Le Mans, sans doute l'une des meilleures équipes cette saison. Fort d'une victoire mardi en championnat face à ces mêmes Manceaux, 90 à 59, les Villeurbanais comptent bien renouveler l'exploit dimanche pour la finale de la Coupe de France. Ça va être très difficile, beaucoup plus contesté et un match moins évident. Et il va falloir qu'on trouve le moyen de gagner, même quand il y a plus d'adversité et beaucoup plus de difficultés dans l'enchaînement du jeu. Actuel sixième de Pro A, l'ASVEL a connu une année chaotique. Une victoire en finale de Coupe de France, la 13e jouée par le club, permettrait de relancer une fin de saison qui s'annonce compliquée. Tout le monde est focalisé sur cette finale. On veut vraiment gagner cette Coupe de France, c'est un gros objectif. Ça va être la guerre et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment la Coupe de France qui est le seul match où on peut sortir un match, gagner un titre à Bercy avec tous les supporters qui se déplacent. Ils seront 16 000 au Palais des Sports de Paris-Bercy dimanche pour assister à cette finale entre l'ASVEL et Le Mans. Début de la rencontre à 18 h.